Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous refaire une petite vidéo pour vous montrer les avancées dans l'élaboration d'un stick multi-console. Alors il n'y a pas de surprise sur l'armature en bois, hein. C'est toujours la même que la dernière fois. Par contre ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai rajouté une connectique en soudant à la petite carte qu'il y a dedans, un nouveau câble. Alors ça marche toujours sur PC hein, pour le moment, donc ça il n'y a pas de souci, par USB. Tac, ça arrive là. Je profite d'un magnifique empilage de GameCube, de jeunesse, de rouleaux de scotch et autres pour poser la caméra et montrer vite fait que ça marche toujours sur Ultra Street. Voilà. Bon, évidemment, je rate l'ultra, mais ça, c'est pas grave. On s'en doutait. Bon, bref, voilà. Hop. Petit coup d'ultra, Red Focus Ultra, bref, il n'y a pas trop d'intérêt entre guillemets par rapport à la dernière fois. Donc PC ça marche toujours, et petite blague, hop, plus besoin de ça. Viens par là toi, si j'arrive à l'enlever c'est mieux. Oui je suis déconnecté, je sais. Hop, donc je parlais d'un embout magique. Qu'est-ce que j'en ai ici, passe en dessous. C'est la surprise, j'arrive plus à la voir, il s'est emmêlé dans quelque chose. Viens par là. Ah ! Voilà. Le magnifique dans ce sens-là, et avec un peu de lumière, ça va peut-être être mieux. Le magnifique embout PlayStation 1 et 2. La DualShock d'enfer. Qui est maintenant en parfaite harmonie avec le stick. Bref, là, j'ai déjà lancé la PlayStation. Alors moi, je suis plutôt du genre à causer français. Ok. J'ai dû mettre un jeu de bagnole. Oui, je sais qu'il n'y a pas de memory card, mec, mais... Ça doit être Gran Turismo, et je pense que je vais me contenter de rester dans les menus, parce qu'un Gran Turismo au stick arcade... C'est jamais bon. D'ailleurs, on entend toujours la zig d'Ultra, là. Oh, j'ai tout fait tomber, je suis fort. Hop, on se tait, merci. Tac. Comme vous pouvez le constater, c'est un tout petit peu le bordel dans le bureau. C'est pas grave. Je ferai le tri une autre fois. Oui, bon, vroom vroom, grosse voiture, tout ça, c'est génial. Donc, start, c'est toujours sur la tranche. Ok, tout ça, machin... On fait des dérapages, Gran Turismo, c'est super cool. Ok, mode arcade, si tu veux, je sais même pas ce que je vais pouvoir faire. Le jeu doit être rayé en plus, d'ailleurs. La course individuelle, si tu veux. Je suis facile, moi, ouais. Si je pouvais jouer avec mes pieds, ça serait cool. Premier circuit, première voiture, hein. Moi, ça va être comme ça. Ouais. Elle est super, celle-là. J'ai toujours rêvé d'avoir cette voiture. Bref. Alors, je sais pas à quoi correspondent carré, triangle, machin. Je sais juste que croix, bah, c'est le A. Si je me réfère à la maquette Xbox 360. Ah bah si, ça fait accélérer, dis donc. On a du bol. Allez. Bon, en plus, c'est... c'est la maniabilité de Gran Turismo, donc ça risque de finir en cacahuète assez rapidement. Je connais pas le circuit, je sais pas où je vais. Bon, pour le moment, ça va, quoi. Ouais. Petite voiture jaune. Hop. Intérieur, extérieur. Hop. Puis surtout, dérapage... Bon, bref. Ça fonctionne, quoi. Hein. Peut-être faire l'aspi, si je peux me rapprocher. C'est pas sûr. Bon, c'est pas passionnant. Je sais pas ce que font les autres boutons. Ah, ça change de vue, ça. Ah, rigolo. Ok, bref. Allez, hop. Fin de l'histoire, désolé. Oui, je suis sûr. Ok.
Non, pas de replay pour cette fois, c'est gentil. Oh, qui était pas mal pour l'époque, ce petit jeu. Bref, donc, PlayStation 2, c'est merch. Alors, on va l'arrêter gentiment, quand même. Hop là. Et on l'arrête gentiment, parce que... Eh ben, parce qu'en dessous, il y a une PlayStation 1, bien entendu. Tac, tac. Pas facile de brancher tout d'une main. Yo! Allez, c'est parti. Il ne me reste que 5 minutes de place sur la carte SD pour vous montrer que ça marche. Et ça va être faisable. Alors celui-là, il y a 200 000 écrans de pub à valider là. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, hein. Un espèce de faux jeu Disney là, je sais pas ce que c'est, mais c'est comme quand t'achètes un DVD en fait, t'as 200 écrans qui te disent le piratage c'est pas bien et tout, alors que tu l'as acheté, alors que dans tous les films que tu télécharges, ils ont déjà fait sauter tous les écrans intermédiaires. Le monde à l'envers. Activision, allez. Ça doit être un vieux jeu Disney, je sais pas quoi là. Alors désolé, la luminosité doit être pourrie. Allez, petit père, on y va, on y va. Tiens, bah, Disney. Ouais, c'est bien Disney. J'aime Mickey. Et Mickey me le rend bien. Rendez-vous à Disneyland. Ils ont des difficultés financières en ce moment. Il faut les aider. Allez. Ah, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas branché. C'est moi ou je suis con, hein? Je l'ai essayé tout à l'heure. Ça peut pas ne pas marcher, je l'ai déjà testé. C'est dans les conditions du direct, mais je teste quand même un minimum. Allez, Pixar, on s'en fout, là. Ouais, mais... Attends, et je vérifie quand même que j'ai bien branché, parce que là, j'ai un doute. Quel abruti, je l'avais pas branché, alors forcément ça met plus de temps. Bon, on appuie sur start. Ah bah Toy Story, bon, j'ai dit du mal. J'espère que ce jeu est cool. Voilà, bon, je l'avais pas branché, excusez-moi. Comment c'est parti, si tu veux. Bon bah, pas grand intérêt à vous montrer ça. Juste retour arrière. Donc ça c'est rond a priori. Ça doit être rond. Bon, peu importe, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ok, super. Salut Buzz, sauve le monde, tu le sauveras sans nous ce coup-ci. Non, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que... il existe également un adaptateur qui va déjà tout de suite plus vous plaire. Parce qu'il a une tronche qui ressemble quand même assez fortement à une connectique PlayStation vers... Xbox 360. Alors, démonstration vite fait, parce que j'ai vraiment plus trop le temps, mais ça marche du feu de Dieu. Alors, faut juste que j'arrive à me déplacer à l'intérieur de ce bordel de truc de bureau où il y a... Ah oui, si, j'avais préparé la vieille Xbox aussi, faut que j'aille pécho là. L'adaptateur qui doit être là. Hop. Avec cet adaptateur là, on passe de USB à la première Xbox. Donc. Il est où le pépère? Là. Hop là. Donc, là, hop, hein, donc là, ça je l'avais déjà montré aussi la dernière fois, ouais, coin-ups, on va pas avoir le temps de jouer,
Ouais, faut vraiment que je la branche sur la... sur la nouvelle. Ouais, CoinOp c'est cool, mais on va aller ailleurs. On va peut-être l'allumer aussi. Hop. Tac. Source. HDMI. Et donc, ce que je disais, c'est que là, voilà. Ah, il met direct le jeu, ouais. Ok. Ah, j'ai plus le temps. Je vais même pas pouvoir montrer. Si, on voit que je suis quand même dans les menus. Allez. De toute façon, j'aurais mis un quart d'heure à faire quoi que ce soit. C'est pas la peine. Bah, je vous dis juste merci. Voilà, je suis content que ça marche. C'est complètement con comme truc. Mais ça fait toujours plaisir. Donc ça fait PS1, PS2, PS3, Xbox 1, Xbox 360 et PC. Donc ça pourrait quand même être pire. Là-dessus, je vous souhaite un super week-end. Et je vous dis à bientôt. Je pose ça. Hop là, ça va couper, hein, je sais pas quand, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Allez, à plus.